Bonjour les enfants, heureuse de vous revoir. Tu es là Nathan et toi aussi Astrid. Oh, bonjour Grégory, William, Eden, Joy, salut. Il manque. Ah, voyez-vous. Ah, même ceux que je ne connais pas, je vous fais un bisou, on va faire connaissance. Ah, ça y est, tout le monde est là, mais il manque quelqu'un. Oui, Mathias, tu as raison, il manque Tati Marie. Ah, je crois que je l'entends. Attendre. Elle arrive, les enfants. Oui. Je l'entends. J'arrive. Ouh là 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 là. Attends, Bonjour, bonjour. bonjour Tati. Ouh là là. Ouf, attends, je dépose mon sac. Ouh là là, c'était juste. Hein. J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Je mets mon sac où? Je mets mon sac où? Bah, dessous des Ici, chaises, il y a ici, de la ici. place. Oh là là. Oh, ça fait du bien de revoir tout le monde. De revoir les amis et la famille, c'est trop Ouais, c'est vrai que bien! retrouver les amis et la famille, c'est trop bien. Bonjour les papas et les mamans! Bonjour, bonjour. Et les tatis et les tontons! Dis, ça me donne envie de chanter là, de revoir tout ce monde, tout ça, toute cette gaieté. Avant de commencer l'histoire, on peut chanter, Tati? On chante quoi? On va chanter quoi? C'est le chant de la cloche avant l'histoire. Non, je sais, je vais chanter toujours contente parce que je suis contente. Tu Ah, sais? d'accord, on fait ça avant la cloche. Ok. Alors, on chante. C'est moi qui commence. Toujours content par la pluie ou par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, sachons être contents. À toi. Un chant joyeux, rend gai ce qui est ennuyeux. Soyons comme dit l'Évangile, contents Contents et et joyeux. Alors, la Bible nous raconte de belles histoires qui peuvent nous rendre toujours contents. J'en connais une que j'aime beaucoup, Tati Marie. C'est celle de David. Lui aussi, il chantait des chansons. Il faisait partie d'une grande famille avec plein de frères. Et un jour, c'est Stop, David. stop, 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 Letty. On n'a pas encore agité la cloche pour dire que c'est l'heure de l'histoire. Alors, je prends la cloche et je dis musique. À la cloche sonne, sonne, sonne. À la cloche sonne, sonne, Alors, Letty. Tu disais quoi au fait à propos de David? Tu veux peut-être raconter l'histoire aux enfants? Oui, Tati Marie, je raconte. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a donné une famille. Et elle me dit qu'il y avait un garçon qui s'appelait David. Il faisait partie d'une famille. Il y avait donc le papa, la maman et sept frères. Est-ce que vous pouvez compter jusqu'à sept avec vos doigts avec moi, les enfants? Allez, on essaie, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je savais que tu savais compter, Lily. Tati Marie, tu peux nous raconter la suite de l'histoire maintenant? Mais bien sûr, d'accord, je raconte. Alors, David, aimait bien sa famille, ses sept frères et son papa et sa maman, et il obéissait à ses parents, les enfants. Vous devez toujours écouter ce que disent les parents et ce que Dieu dit aussi. Parce que Dieu dit qu'il faut obéir à ses parents en toutes choses. Alors, on va répéter les enfants. D'accord? Écoutez bien. Enfants, Enfants, obéissez obéissez à à vos vos parents parents en en toutes toutes choses. choses. Et on va le faire en Musique. musique. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. En toutes, toutes, toutes choses. En toutes, toutes, toutes.
David aidait sa maman et son papa. Il était obéissant. David était berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des moutons, des brebis et des agneaux. Les agneaux, ce sont les bébés moutons. Ils sont tout doux et tout mignons. Letty, tu sais ce qu'on va faire? Ben, on va aller chercher des bébés moutons et on va les ramener ici. Non, Letty, ce n'est pas ce que je pensais. Ah, je sais, Tati Marie. J'ai une autre idée. Est-ce que tu peux demander à Katie de nous expliquer comment faire une belle carte avec un berger et des moutons? Ça, c'est une bonne idée. Les enfants, Letty et moi, on va vous dire au revoir. Et moi, je vais aller retrouver Katie pour faire un petit peu de bricolage. Ah, youpi, un peu de bricolage. Je vais bien regarder. Vous aussi, les enfants, soyez bien attentifs au bricolage que Katie et Tati Marie vont vous montrer. Allez, je vous envoie des bisous, moi, maintenant. Et à bientôt, hein. À tout à l'heure. Ils sont là, mes copains, mes copines. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura des choses à apprendre. Est-ce que vous voulez découvrir tout ça? Appelons Tati Katie et Tati Marie. Hello! Hello! Bonjour, me revoilà avec mon amie Katie. Coucou William, Shannon, Joyce, Matteo. Oh, ben il y a aussi Mathias. Oh, ben il y a tous les autres petits-enfants aussi. Bonjour à tous. On ne fait plus de bruit, les enfants. Regardez bien le panier de Katie. Je crois, Katie, que les enfants voudraient savoir ce qu'il y a dans ton panier. Coucou les enfants, ça va? Ça va, Noévan? Et Noéline? Lucas, ça va bien? Tu as bien dormi? Bonjour Lily, ça va? Alors aujourd'hui, dans mon panier, vous voulez savoir ce que j'ai apporté? Alors moi, j'ai apporté un beau tableau, Tati Marie. Il y a des moutons, regardez les enfants. Il y a aussi un... berger, Tati Marie. Un berger. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce tableau, Katie? Alors, aujourd'hui, nous allons colorier que la partie du haut de notre tableau. D'accord. Vous avez compris, les enfants, que en haut où il y a le ciel. Donc, Tati Marie, avec le crayon bleu, nous allons colorier quoi d'après vous, les enfants? Le ciel. Ah, j'ai entendu. Lucas a dit le ciel. Et Mathias a dit en bleu. Eh bien, très bien, les enfants. Tu veux m'aider, Tati Marie? Oui, Katie. On y va. Attends, je vais mettre comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure, les enfants. Attendez, je colorie. Alors, moi, je prépare le coton pour qu'on puisse mettre sur les nuages, Tati Marie. Oui. Parce que les nuages sont de quelle couleur, Noévan? Blanc, c'est très bien. Et s'ils sont gris, ça fait quoi? Alors, s'ils sont gris, j'ai entendu Noéline dire qu'il va pleuvoir s'ils sont gris. Oui, mais nous, il ne pleut pas, alors on va les faire tout blanc. Voilà, voilà. Tu as terminé, Tati Marie? J'espère qu'on verra bien, parce que... voilà. Regardez, vous voyez le bleu, les enfants? Le bleu, il est dans le ciel, comme mon crayon bleu. Et ensuite, on met quoi, Katie? Eh bien, on va mettre les nuages, comme Noévan a dit. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, de la colle. Alors, de la colle. Tu veux bien m'aider à mettre les nuages, Tati Marie? Oui, Katie. Alors, les nuages sont en blanc. On met du coton blanc. Je vais vous faire voir, les enfants. Attendez, attendez. Je fais vite. Oh, c'est facile de faire ça, Katie. Ben oui, Tati Marie. Voilà. Vous allez bien vous amuser, les enfants. Oh, c'est joli. Tout petit, essaye bien. Et voilà. Et après, il manque quoi dans le ciel, Nathalie? Il manque, ben oui, le soleil. Katie, t'as porté le soleil? J'ai ramené le soleil, Tati Marie. Alors, voilà. On va mettre le soleil ici. Voilà, Tati Marie. Oh, mais Katie, dans le ciel, il y a quoi aussi? Des oiseaux, Tati Marie, que tu aimes bien. Youpi, des oiseaux, ça fera très joli. Alors, on va mettre un petit tout près du berger. Et voilà. Et un autre ici. Et un autre ici. Et voilà. Et voilà, les enfants, c'est joli notre tableau. Ah, c'est vrai, Katie, il est joli le tableau. Oui, Tati Marie. Oh, merci Jésus pour les belles couleurs que tu mets dans le ciel bleu, le soleil jaune et les nuages blancs.
Merci, Katie, de m'avoir aidée. Et on se revoit la semaine prochaine? Oui, Tati Marie, on se revoit la semaine prochaine et avec les enfants. Avec les enfants. Alors, au revoir, les enfants. Au revoir. À la semaine prochaine.